Nous y sommes enfin. La vérité doit éclater aujourd'hui. Nous sommes sur la voie. Tout prendra fin dans ce dernier procès. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raulus et nous y sommes. Le dernier procès de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Les révélations vont continuer, je pense. Même si la partie 3 nous en a révélé déjà beaucoup. Est-ce que Maya est vivante? Est-ce que Iris a vraiment tué Elise Doxim? Est-ce que tout cela est un réel coup monté? Nous le saurons maintenant. Et bien sûr, nous retrouvons Godot. Et nous... Ils ont inversé, je crois. Vous avez inversé Godot et Wright. Vous êtes très fort, monsieur le développeur. Littéralement, donner la fièvre. Quel dommage. Mais c'est Godot qui m'intéresse. Le destin nous joue des tours bien inattendus à nous, notre pauvre mortel. C'est justement pour ça que les gens ressentent le besoin de juger le passé. Et le devoir solennel nous revient, ce genre de loi, de juger les actes qui nous réunissent. Les êtres humains sont fragiles, inconstants. Notre cœur change comme les marées. Une seule chose reste constante dans cet univers de folie. Le café, son sucre et froid, et l'obscurité amère du fond de cette tasse. Au procès d'hier, l'accusé a refusé d'admettre son implication dans le meurtre. Mais aujourd'hui, elle a changé d'avis. Sœur Iris du temple Azekora, a des aveux à nous faire. C'est une manipulation, c'est un piège! Parce que c'est pas vrai, peut-être. Hein. Vas-y, Iris, dis-nous tout. Vas-y, Iris, dis-nous tout. Non, mais tu fais ça à tout le monde. Tu fais ça à tous les accusés. Modeste religieuse, des doutes. Mais que se passe-t-il? Je sais, jusqu'à l'assassin. Elle a pas. Oh oui. Elle n'avoue pas avoir tué. Déjà, c'est une bonne chose parce qu'on a prouvé que c'était faux. Techniquement,
Elle a été dissimulée de meurtre, ça je l'apprends tout de suite. Donc je ne... C'est con, tu as remonté dans mon estime. C'est con, tu avais remonté dans mon estime. Je m'étais même excusé, mais là ça va pas être le cas. Tu m'énerves complètement. Tu fais des révélations comme ça, genre... Ah, aujourd'hui je vais mentir, j'ai révélé des trucs. Complice. Déjà, elle n'est pas meurtrière, elle est complice. Ce qui est quand même un délit. Et Godot, il boit son café tranquille. Hein. Ah oui, un meurtre. Et c'est tout. Et oui. Et oui, oui. Je m'appelle... S'il te plaît. Arrête de m'appeler Light. Je l'ai vraiment fourré en boule. Est-ce que je l'ai fourré en boule? Oh non, j'ai... Oh non, c'est pas drôle. Oh, c'est pas drôle, ça. Ce qu'il aurait fallu faire, monsieur le développeur, c'était faire le boule de papier et dire... ancien témoignage des risques qui ne sert plus à rien. C'est un petit... Alors, la fille de la maîtresse de... Putain de portable. La fille de la maîtresse de la technique de Schoening, c'est très très long, on va le dire. Maya Fey, voilà. Je ramasse le portable. Stream de qualité toujours. Hein. Stream qualitatif. Je l'ai toujours dit, je le répéterai à chaque fois. Chaîne de qualité. Oui, et ben. C'est ta troisième tasse. Je les compte, hein. Je vais compter 17, on m'en fout. Oui. Eh oui! Elle est Maya! Est-ce qu'on est dans une grosse merde? Je pense que oui. C'est la vérité vraie? Je dirais qu'il n'y a pas que du faux. Est-ce que j'ai déjà toute une petite théorie dans ma tête? Mais on va voir si ça se réalise. Non mais le vent tombe toujours dans une direction que l'on ne sait pas, mon cher ami. Tu as vu? Déjà on a des révélations sur un bâton, donc ça peut aider. Non, je lui ai pas protégé, enfin... Tu as protégé Mystique Maya, dans une certaine façon. Mais c'était pas elle. Pour moi, Mystique Maya a invoqué... Pour moi, ce qui s'est passé, je vais vous le dire de suite. Mystique Maya a découvert la lettre de Mank & Fey, donc sa tante. L'a décacheté, ce qui explique pourquoi Perzadik a été décacheté. L'a lu et a suivi les consignes. Donc, Perz n'a pas échoué. C'est juste que l'esprit de Daila Plantule est invoqué par Maya. Ce qui fait que Iris a défendu sa sœur que Maya a invoqué. C'est logique. C'est logique. Était cette femme. Il faut... Voilà. Même Wright le dit. Oui, 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 je vais parler de mon contre-interrogatoire. Calme-toi. Je parle un peu moins fort que d'habitude parce que la vie est réelle. Voilà. Et blablabla, blablabla. Alors, dis-moi en plus sur ce coup fatal. De poignard. Un poignard.
Tout cela est très très pas cool. Ah, lol, c'est sûr que t'as dû avoir une sacrée tête. Je dirais qu'il y a une chose qui chiffonne. Le scénario, on a décidé ainsi. Un tout petit problème de rien. Non, la ferme, c'est pas ma cliente. C'est plus ma cliente maintenant, c'est plus mon problème. Godot a vraiment l'air très 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 remonté, hein, je ne veux pas dire. Tu parles de ça? Tu parles de ça en fait. Tu as raison, mais tort aussi, c'est compliqué. Bah oui. Elle n'a pas jeté le bâton, enfin si, presque, mais voilà. Le bâton. C'était pas un bâton. C'était un bâton épais. Ça veut rien dire en fait, dit comme ça. Tu me rappelles quelqu'un avec ce faciès? C'est ton cinquième café ou sixième, je ne sais plus. T'as vu? C'est normal en même temps. Il a pas tort en fait. Ouais, mais si les trucs qui vont pas. Alors. 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 C'était pas ça. Ah si, c'était ça. Et pourquoi? Et pourquoi me diras-tu? Tout simplement parce que son vrai nom, c'est Misty Fay. Des révélations qui choquent. Des révélations qui choquent. Toujours. Mais pas du tout. J'étais choqué toi aussi en apprenant cette nouvelle. Oui. Et ouais ma gueule. J'ai douté quand même pendant un moment, je me suis dit il y a peut-être un piège. Et bah si. Ah oui. Ah, salut Godot, tu fumes un petit peu. C'est vrai, ça doit être ton sixième mon petit gars. Ou au cinquième, je ne sais plus, j'arrête de compter, c'est bon. Ah, Godot, une petite révélation peut-être. Hein, parce qu'on aime tes révélations. On parle pas de ton café en fait. Oui, mais encore en fait, parce que je ne comprends pas. Oui, et encore. Ça veut dire que t'en es presque à 13. C'est chaud. Et... mais c'est un poignard.
détective, pourquoi tu fais ça? Eh ben, il est ensanglanté. Il y a du sang. Il y a du sang. Sur un poignard. Le pain. Le pain. Le. Foutez de moi, vous voulez dire que la police est pas foutue de retrouver un truc pareil? Merde! C'est bon, on a compris. On a compris. Par contre, on en a 17. Ah bah oui! Allez! Monsieur! Fais ton travail de sous-fifre, s'il te plaît, pour la justice. Et une tasse de café. Ouais. Vous m'énervez, vous le savez, ça. Bois ton café, toi. J'ai pas dit qu'elle était jolie. Calme-toi. Allez. Allez, allez, dépêche-toi. Tu m'énerves. Tu m'énerves beaucoup. Une esquive. Donc on fait la lanterne. Ah, c'était une lanterne. J'avais cru que mon jeu, il avait planté. Ce serait des besoins de poignée, d'accord. Admettons, c'est plausible. Je ne suis pas contre cette ce propos. Non, reviens en arrière, reviens en arrière. Un peu trébucher. Trébucher sur quoi? Comment tu trébuches, putain, dans la neige? Pourquoi elle se débarrasse d'un poignard? Pourquoi? Planté dans le pain! Non, planté dans le pain, s'il te plaît. Ah oui, trouvons la contradiction. Un peu. Oui, peut-être. J'essaye de comprendre. Calmez-vous.
Mais qui c'est qui lui lance son café à la fin, j'en ai marre. Oh, calme-toi, Godot, calme-toi, Godot. Calme-toi. Ah bah dis donc, faut ton gueule. Presque, il y a un presque. Waouh. Eh, hey, toi ta gueule, fous-toi. Oui. Y'a pas tort. Il a pas tort, le salaud. Merde, où est mon rapport Ouais, le rapport médical, il gagne mes couilles. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Dans le ventre, alors que c'est... Je comprends plus rien. Parce que j'avais un doute, en fait. Ouais, c'est l'image du Sachisito planté dans le dos de Elise de Misty qui m'a fait tilter. Je me suis dit, poignardé dans le ventre. Attends, j'ai pas compris. Mais en plus, voilà, c'est ça. Voilà, jusque là ça se tient. Voilà, en fait, tu vois, il y a un truc qui colle pas. T'as une explication? Dis-moi que t'as une explication. Oh, ce serait cool. Godot, fais-moi rire. Il va nous expliquer. Godot a la réponse à tout. Ça se tient pour le moment. Ça se tient toujours, j'en ai plein le cul de tes métaphores. Étaye ton propos, Godot. Je n'attends que ça. Est-ce que tu as l'encyclopédie Larousse du café et de ses moyens de torréfaction? Pourquoi t'es pas critique café, hein? Tu m'énerves. Oui. La lumière. Révélation de ouf. Mais y a un mais. Impossible, ça n'existe pas. Pour l'instant, ça se tient. J'avoue, ça se tient.
Oui, elle porte une inscription, je la sais. Je sais. Je sais. Je... Oui, je... Toi non plus, t'étais pas... Même lui était pas au courant. Alors, à l'envers, comment? Parce que c'est chaud. À l'envers, genre, vraiment à l'envers. T'es en train de me dire que... Ça se tient pas. Enfin, c'est bizarre. Mais même Godot était pas au courant. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Mais c'est pas fini! Mais calmez-vous, merde! Tu as fait quelque chose! Je veux que tu me dises. Tu commences à stresser, Godot. Enfin, plutôt Angelo, je ne sais plus qui. D'accord. Oui. Oui. Ah, l'affaire de la motoneige, parlons-en, parce que ça c'est super important. Oui, j'ai qu'une empêche. Vous êtes un tour du sort, mais vous êtes aveugle! Vous êtes tous aveuglés, putain! J'ai l'impression de revenir au temps pas derrière après m'être occupé du corps. Oui, mais. Mais. Ah ah! C'est vrai. Oui, monsieur. Allons-y, pas de musique s'il vous plaît, parce que c'est un peu morose, merci. Vraiment mystique, je suis libre des ménages, alors ça je m'en fous, c'est la partie avec la motoneige qui m'intéresse. Voilà, ça je veux savoir des choses, parce qu'il y a des choses à dire, à connaître. Voilà. Parce que là ça se tient, on savait depuis le début. À propos des traces, parce que c'est les traces qui posent problème. Voilà, regardez, il n'y a qu'une trace. Un jeu de traces, voilà. C'est très très important, dis donc. C'est très très bizarre, dis donc. Allez, fais pas ta pute. Oui, ça va donner du piment à ton café, mon petit. Ah oui. Clarifiant. Jamais clarifier des choses. Dommage. Car le bulletin météo précisait qu'il
qu'il neigeait jusqu'à 22h50. Ah oui. Objection. Comment ça, c'est pas ça? Comment ça, tu te fous ma gueule? Comment ça? Non, pas de but. Non. C'est pas drôle le jeu. J'étais fier de moi. Raté. Raté. Bah dis-moi l'heure qu'il est alors. Non, pas juste. Le crime a été commis à 23h. Non, tu m'énerves. Ah, tu m'énerves. Tu m'énerves le jeu. J'en ai marre. Réfléchissons aussi. Merde, pas ce que je voulais faire. C'était là, ok, non. Voilà, c'était là, là, quel con. Oh, mais je suis débile. Je suis débile, oui. Beaucoup même. C'est impossible. Oui, c'est con, n'est-ce pas? Bon, oui. Oui, il est en feu. Eh bien si! Mais oui! C'est qui le papa? A une explication, très bien. C'est le fait que tu t'envoies des cafés à 24. Ah ça par contre c'est marrant. Oh c'est pas bien. Le décaféiné tout ça. Oui, c'est une bonne chose à faire, je trouve. Oui. Elle l'a vu, oui, elle l'a vu. Double point. Foutre de ma gueule, parce que là, je commence à avoir des doutes sur ce que tu veux, sur ce que tu dis, sur plein de choses. Elle a volé. Je crois. Oh. Certes. Mais je suis coiffé en tête de hérisson. Allez. Non, il y a intérêt. Oh, il y a intérêt. J'ai envie que ce soit son dernier témoignage. Elle commence à me casser. Oui. Tu as volé, je crois, je ne sais plus.
Et ouais, c'est incroyable comment ce pont est tendu. D'accord, qu'est-ce que tu insinues? Tu voudrais dire que je devrais m'excuser? D'accord. Très bien, je vais y arriver, mon petit gars. Ah merde, non. Où est-ce que je voulais? Oh. Je comprends pas. Et je me trompais. Attends une seconde. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a un problème. Et ouais. Oh, écoute-moi bien, mon petit gars. Tu commences déjà, tu peux baisser ton pot de caféine. Parce que je commence à en avoir marre. Voilà. Apprenti de Madame Elise Doxim. Et oui, oui, il est brillant. Oui, il est talentueux. L'apprenti. Ah, tu ne savais pas. Iris ne savait pas. Rappelez-vous, cette nuit-là, il était au divan avec les bananes en montagne et blablabla. Et il assista à la scène. C'est tout ce qu'on doit savoir. Regardez bien ce dessin moche. Vous êtes perplexe. Non mais... Ah, j'aime bluffer, monsieur le juge. J'aime bien montrer les choses. Eh bien, regardez bien. C'est ça. Comment tu le sais? Non, verser sa tasse? Je sais pas. Ce dessin nous montre des choses. Moi, j'aimerais surtout savoir... Le dessin d'Elise Doxim est une contradiction totale avec ce que la photo que nous avons vue. Une improbabilité élémentaire. Non, t'es trop con. Tiens, la musique est revenue. Oui. T'as vu? Il est bon, mon ongle. Qu'est-ce qui contredit l'arrêté? L'arrêté, la vérité? Eh bien, vois-tu, ce n'est pas la personne là, ce n'est pas le pont, c'est cette chose qu'on appelle un câble de suspension.
Eh oui, le câble. Mec, vous allez comprendre. Non mais, ça va cogiter dans votre tête. Eh bien, regardez bien. Je reviens en arrière, voilà. Tu vois la photo du pont de Léon? Il y a un câble qui s'est barré. Donc, comment expliques-tu ça? Eh, prends ça! Oui, c'est celle que vous avez exposée il y a 5-6 minutes. Regarde bien. Sur le dessin, les câbles sont au-dessus. Et là, ils sont en dessous. Le pardon n'existe pas. Sous le garde-corps. Arrête de recracher ton café, c'est dégueulasse. Oh, mais calmez-vous, je suis en train de trouver des trucs. Ah ah, t'auras bien le savoir, hein. Oui, et rappelez-vous. Et pouf, l'éclair. Voilà. T'es allongé sur le dos. Parce que j'y ai pensé aussi. Eh bien, regarde bien. Retourne le dessin. À l'envers. Et ouais. Qui s'attendait à une telle révélation? Attention, on va flipper. Eh oui, eh oui. Ah ah. Eh oui. C'est le moment du combat, fils de pute. Je suis méchant. Un pendule, eh ouais mon gars. Oui. Ouais. Comment tu en venir? Ça tient. Eh bien, c'est ce que tu penses, mais en fait, il avait tout. Ouais. Comment savez-vous que le sein et la corde sur place pour créer le pendule? Ah, vous êtes con. Regardez bien. Regarde bien la corde. Elle est là. Elle est là, c'est celle qui tombe. Ah, vous êtes con. Vous me décevez. Voilà. Et la magnifique animation. Et ouh, y a plus rien. Oui, Kodo. Kodo. Ah, tu as craqué, Kodo. Un mystère qui plane. Combien de litres contient la tasse de Kodo? Kodo, tu ne bois plus rien. Ouais. Voilà. Ah, Kodo, tu as fini ton café qui est toujours rempli. C'est bizarre. Je ne comprends pas.
Godot, tu te souviens de la boule? Prends-la dans ta gueule. Prends ça. Le mec a le CD, donc celui-ci. Oui, celui-ci. Regardez bien. Grâce à une étude mathématique et géométrique, il aura atterri de l'autre côté ici. Ouais, atterri, c'est vite dit. La boboule. Enfin, on va prendre l'autopsie plutôt. C'est possible. Mais oui, on enchaîne sur des révélations. C'est une coïncidence. Je pense qu'il y a encore une question qui vous tend aux lèvres. C'était quoi ce claque? C'était un café de Godot. Je me disais que ce café froid pourrait vous rafraîchir les idées. Vous venez de formuler une supposition à la fois amère et noire, Light. Cependant, vous avez omis une chose. La robe. Mais... La meilleure complice du café, son arôme profond est marqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si l'assassin a vraiment envoyé le corps de l'autre côté, comme vous le dites, il devrait y avoir un complice embusqué qui attendait de le réceptionner. L'assassin ne pouvait pas traverser le pont du lion. En ce cas, qui a réceptionné le corps? Un bon point. Oui, je sais. Alors, vous avez trouvé ça con, hein, je le conçois. C'est le maître débile. C'est Iris. Bah oui. C'est évident. C'est bien, on arrive au point culminant, je pense. Oui, dis-moi, pourquoi tu n'en as pas parlé? Ah oui. Dans ce cas, c'est bien ce que je pensais. Ah, le point culminant, le voici. Ah, je sais qui c'est. Non. Maintenant, ça commence.
Je vais vous dire qui c'est. Cette personne n'est autre que Dahlia Plantule. Apprends ça. C'est bien joué avec une teinture. Dites bonjour, messieurs dames. Quelques minutes plus tard. Ah, toi aussi, grand. Ouais. Oh, magnifique fondu. Oui. Oui. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas dans une affaire humaine. Eh, c'est moi qui lance cette musique d'abord. Ça continue. Non, oui. Eh oui. Vous êtes l'esprit de Dahlia. Oh, la ferme pas. Oui. Exact. Effectivement. Bien sûr. Enfin, presque. Regardez-moi cette lettre. Regardez cette lettre. Par ta maman. Oui. Tu n'as pas l'air surpris. Même 2 heures, quoi. Exactement. Et oui. Oui, je réalise. Mais tu n'as pas ta tasse, dommage. Pardon. Oui. Je joue pour l'instant, ça se tient. Ah ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Peut-être veux-tu une preuve. Je pense que c'est ce qu'il faut. Eh bah dis-toi, je pensais à ça. Ah, c'est con, les grands esprits se rencontrent. Hein. C'est incroyable. Exactement. Eh bien, je pense qu'il y en a une. Et oui.
Oui. Eh bien, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Pendant un moment, c'est-à-dire un tremblement de terre, elle a pu s'enfuir. Oh, vous allez tout mal le prendre, c'est Benjamin Hunter. Oui, je peux pas le nier. Oui, comme tu le savais. Un tremblement de terre, oui. Et ce qui se passe, c'est que... Il a peur des tremblements de terre, le pauvre. Il a peur. Ce n'est pas sa faute. Laissez-le tranquille. Et bizarrement, nous l'avons retrouvée toute souriante et elle était déjà sur place. Oh, c'est bizarre. Et oui. Et oui. Oh. Ah. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah, ça y est, on y est. On y est. Qui es-tu? Ça y est, ça commence. Regardez des vraies animations. Ah, ça y est. Ah, c'est trop bien, c'est trop génial. Ah, c'est cool. Ah, ça va être trop bien. Quand je vous disais que j'avais potentiellement raison, pour moi, Daila a pris le corps. C'est Maya qui a invoqué tout. Je suis sûr qu'en fait, elle a pris le corps de Maya. Et c'est vraiment ce que je pense. Hein, je suis sûr, c'est ça. Mais c'est cool. Non, franchement, là, c'est cool. Là, il y a du drama. On va en savoir plus. Et j'espère que c'est bientôt la fin. J'espère que le prochain épisode sera le dernier. Enfin, j'ai vraiment envie que ce soit le dernier parce que j'ai pas envie de me retaper 10 000 heures de procès. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas. Tout ce qui est de la commentaire, tout c'est tout ça. De t'abonner si le contenu que je produis te plaît. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma chaîne pour voir un petit peu si tu trouves ton bonheur. Et puis, on se reverra la prochaine fois. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.